Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer donc comment crocheter cette écharpe. Donc comme vous pouvez voir, pardon, vous avez le point pouf qui est pas mal présent sur cette écharpe. Donc ça vous fait aussi voilà, une belle structure parce que vous avez des points pouf qui sont orientés de différentes, dans différentes directions. Et bien sûr, je vais vous montrer comment réaliser cette écharpe, quel fil j'ai utilisé également. Vous avez vu, c'est un joli dégradé de couleurs que vous avez dans les tons bleu et violet. Alors, pour la pelote, c'est la Ferris Wheel de Lion Brand. Donc c'est vraiment un joli fil, hein. Donc avec ces tons un peu pastel, donc des tons froids quand même, hein. Vous voyez donc ces couleurs bleues et violet. Donc c'est une pelote, ça devrait vous faire une écharpe, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc 85 grammes par pelote, 247 mètres de fil, c'est de l'acrylique, hein. Pour des aiguilles 7 mm, aiguilles crochet, donc moi je vais utiliser donc le 10, le crochet 10, donc on va un petit peu, donc voilà, prendre une taille un peu plus, une taille supérieure. C'est le Cotton Candy, donc la Barbapapa. Donc c'est le nom de la pelote, au niveau de la couleur. Donc on va de toute façon commencer à travailler le fil avec le cœur de la pelote. On va chercher le bout du fil qui est au cœur de la pelote, non pas à l'extérieur. Et donc là, vous voyez, on est dans les tons violets. Voilà. Et donc, une fois que l'on a le fil, on peut sortir aussi l'étiquette, hein. Okay, donc je me prépare, donc je vais aussi prendre, donc j'ai pris le fil de début, le fil de fin, comme vous voyez. Et on va travailler, donc on va doubler le fil au final. Donc et maintenant, on va travailler donc 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8, 9. 10, 11, 12, 13. Donc ça, c'est la largeur que j'obtiens. Donc je vais au niveau de la troisième maille. Donc 1, 2, 3. Je pique dans cette troisième maille. Et je vais tirer le fil. Je relève juste le fil. Ensuite, je fais un jeté. Je repique dans cette maille et je tire le fil. Donc j'ai 4 boucles. Et on continue, donc un jeté, on repique et je relève. Donc j'en ai 10, 6, pardon, 6 boucles. Ensuite je cherche le fil et je passe le fil dans ces 6 boucles et je ferme avec une maille en l'air. Vous voyez? Donc ça c'est mon point pouf, mon premier point pouf. Ensuite on va sauter une maille. Et dans la maille suivante, on continue. Donc je pique et je relève. Et ainsi de suite. Jusqu'à avoir au total 6 boucles sur le crochet. Et ensuite on passe le fil dans toutes les boucles et puis on ferme avec une maille en l'air. Puis on repart, on saute une maille et puis on va piquer dans la suivante et on va relever à nouveau le fil comme on l'a fait jusqu'à présent jusqu'à obtenir 6 boucles sur le crochet. Et ensuite on fait un jeté, on va passer le fil dans toutes les boucles et puis on ferme avec une maille en l'air. Et on poursuit. Ok, donc ensuite on saute une maille nouveau
Et on va dans la suivante, et on... Enfin, pom pouf, donc c'est-à-dire qu'on va relever notre différentes boucles sur notre crochet, ce qu'on va en tenir 6. On fait nos 6 boucles. Voilà. Donc là, j'ai fait mon point pouf et ensuite on saute à nouveau une maille et dans la suivante on fait nos on relève notre fil plusieurs fois également et on poursuit avec voilà nos 6 et on ferme avec une maille en l'air. Et donc ça nous fait 6 points pouf au total. Donc ces petites boules de fil, au final, qu'on a 6. Et là, on va pouvoir poursuivre avec une maille en l'air, puis une deuxième. Et ici, donc là, on va travailler à ce niveau-là, au niveau de cette maille en l'air. Quand je tire un petit peu, on va positionner nos points pouf à ce niveau-là. Donc là, on y va. Et je fais pareil, hein. C'est-à-dire que je relève, je pique et je relève en tout total 6 boucles sur mon crochet. Donc 6, je prends mon fil, je le passe entre les 6 boucles et je ferme avec une maille en l'air. Et je poursuis, je cherche l'espace suivant, donc c'est juste ici, au niveau du point pouf du rang précédent suivant. Et je relève mon fil, donc jusqu'à avoir 6 boucles sur mon crochet au total. Et ensuite, on passe le fil dedans et on ferme avec une maille en l'air. Et on poursuit. On pique, on relève notre fil donc une fois, deux fois, trois fois. Et au total, voilà, on en a jusqu'à ce qu'on ait nos 6 boucles sur le crochet. Et ensuite, on ferme le tout avec une maille en l'air, comme voilà. Et vous voyez donc le fait de travailler donc à chaque fois en alternance ces deux rangs, on donne toujours une orientation à nos points pouf. Et cette orientation, vous voyez que quand vous changez de rang, ensuite, elle se parie. Donc c'est pour ça que ça vous fait un petit peu comme un épi de blé en fait au niveau de l'orientation, parce que vous allez avoir une orientation d'un côté et puis de l'autre ensuite, puisque vous travaillez sur un rang au final après à l'envers du travail. Donc ça inverse l'inclinaison et l'orientation de vos points pouf. On poursuit, donc là j'ai mes 6 boucles et on poursuit, on passe donc le fil dans ces 6 boucles et on ferme avec une maille en l'air. Alors que si à la fin du rang, hein, c'est juste ici. Donc, vous faites votre petit espace, hein, vous voyez ça. Et ensuite, donc une fois qu'on a terminé, on fait nos deux mailles en l'air et on poursuit avec le rang suivant. Et on repart toujours au niveau des mêmes voilà, on va faire nos points pouf au même endroit, hein, donc c'est-à-dire au niveau de cette maille en l'air, ici, et on pique le crochet, et puis on relève jusqu'à avoir le fil jusqu'à avoir 6 boucles sur le crochet, et ensuite on prend le fil, on passe dans ces 6 boucles et on ferme avec une maille en l'air. Voilà, donc j'ai fait quelques rangs. Vous pouvez vous donner, ça vous donne une idée de ce que ça donne, de l'aperçu que vous obtenez avec ce point. Vous voyez aussi, hein, les différentes orientations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça fait vraiment un effet très sympa aussi, en plus avec les mélanges de couleurs. Et donc voilà, donc là maintenant on a encore bien évolué. Donc ça donne une belle épaisseur aussi, hein, malgré tout, même si vous avez vu, c'est quand même un point assez ajouré au final. Quand vous regroupez le tout, ça fait quelque chose d'assez compact quand même. Et vraiment un point sympa. Donc c'est un point aussi qu'il faut noter qui consomme beaucoup de fil. Hein. Mais après, voilà, le rendu est vraiment chouette. Le fil également, hein. Vraiment sympa.
Vous voyez donc ces différentes nuances de couleurs. Vous voyez. Donc pour cette écharpe. Bon, maintenant je vais sortir le fil, parce qu'on arrive vraiment au bout. Hein. Et on peut tirer. Après, bon, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez en faire un snood, hein, ça c'est comme vous voulez. Après, bon, ça peut même avec cette longueur vous faire un snood double au moins. Vous pouvez laisser ouvert. Il n'y a plus qu'à raccourcir les fils et puis les coudre. Vous avez le fil de début et de fin. Et une fois que vous avez fini les coutures, votre écharpe sera terminée. Donc ça c'est donc le rendu final. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, que vous trouvez ce résultat sympa, que les explications ont pu vous aider. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!